Xavier-Antoine Lalande, conseiller municipal district 6, ville de Saint-Colomban, président aussi de l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme. Bonjour, je suis Dominique Lirette, directeur du service de l'aménagement, de l'environnement et de l'urbanisme de la ville de Saint-Colomban. Étant donné que la ville a eu un développement immobilier et domiciliaire extrêmement rapide depuis les années 2000, la surface du territoire occupé a augmenté grandement. Donc on est passé de 3500 personnes mi-90, puis on est rendu à 14 400 début janvier 2014. Puis la particularité du territoire aussi, on n'a aucune prise d'eau en surface, puis aucun égout. Donc tout ce qui est système d'épuration doit être géré à même le territoire des résidents. En tant que conseiller municipal, j'ai fait campagne aussi avec cet enjeu-là. C'était notre premier enjeu dans notre programme électoral. Puis on a eu une très, très bonne réception, en tout cas me concernant. Puis il y avait beaucoup d'avantages qui étaient laissés aux promoteurs. Puis plus ou moins en fait, aux gestionnaires de la ville. Donc le RCI, ça nous permet d'arrêter tout ça, puis de gagner du temps pour revoir les règlements puis faire les modifications qui nous paraissent nécessaires. Règlement contrôle intérimaire, c'est un outil qui nous a servi à geler certaines portions du territoire au développement. Ça interdisait l'émission de permis de construction, l'émission de permis de lotissement et la signature de protocole d'entente pour les travaux d'infrastructure. Il permet également de respecter les protocoles d'entente déjà signés avant l'entrée en vigueur du règlement contrôle intérimaire. Suite à ça, la réflexion s'est portée ensuite de ça pour modifier le plan d'urbanisme. Puis c'est une première étape. Il va y avoir d'autres choses. Il y a des plans directeurs qui vont s'en venir de ruissellement. Il y a des plans directeurs de rue qui devront faire suite à tout ça. Là. Donc, c'est une première étape, les orientations qui vont être données. Le RCI va devenir caduque lorsque toutes les réglementations du plan d'urbanisme et les règlements de concordance vont être adoptés. C'est à ce moment-là, que le RCI va être levé, on peut dire. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que les promoteurs vont pouvoir profiter soit des nouveaux règlements et puis continuer leur développement ou s'ajuster aux nouveaux développements, aux nouvelles orientations. Bien, c'est véritablement reprendre le contrôle de son développement puis de le lier aussi beaucoup plus efficacement avec le schéma d'aménagement. Le RCI nous a aidé finalement à prendre le temps de construire des règlements qui prenaient en compte les études et les analyses des milieux humides sur les territoires où le développement était projeté. Bien, c'est sûr que ça va amener des endroits avec moins grande imperméabilité du territoire, du secteur, moins de rues, moins de surface imperméable évidemment, donc avoir moins de densité. Ça va nous permettre aussi de faire une meilleure gestion des eaux de ruissellement du territoire. Souvent, la construction d'une réglementation, c'est ce que m'a appris beaucoup les ressources à l'interne ici. C'est que ce sont des comparatifs. On va chercher ce qui se fait à gauche, à droite, puis on vient le moduler pour que ça représente la réalité finalement de la ville qu'on représente, pour laquelle on travaille. Bien, le défi, c'est que les promoteurs devront respecter des normes plus sévères, devront apporter des projets beaucoup plus complets. Donc, notre étude, notre analyse va être sur l'ensemble du territoire et non sur une partie d'une terre. Et on va voir plus l'ensemble de l'impact du projet sur l'aménagement. Pendant la campagne électorale, notre intention était tellement claire qu'on a utilisé ce moyen-là, puis on l'a vendu comme un moyen pour se donner du temps pour bien réfléchir aux futures politiques du développement. Au niveau citoyen, ça a extrêmement bien passé. Au niveau des promoteurs, il y a eu quelques grognements. Bien, les promoteurs, c'est sûr, eux autres, ils ont acheté des terres pour développer. Donc, leur mettre un frein pour eux autres, c'est de leur enlever de l'argent dans leur poche. Seulement leur faire comprendre que c'est pas d'arrêter à 100% le projet, c'est de l'orienter d'une nouvelle façon. Et puis, ça peut être retardé sur certains mois, mais on parle pas d'années, on parle de quelques mois, le temps d'une réflexion. Là, on est en processus de consultation le 7 juillet prochain. On va présenter les modifications au règlement, puis c'est davantage là qu'on va avoir le feedback des promoteurs. Et on espère aussi que les citoyens viennent donner leur input là, par rapport aux changements en termes de règlement qu'on a fait.
je considérerais le RCI comme étant innovant dans la mesure historique de la ville. On impose finalement des études professionnelles, on impose des études de caractérisation de sol, de topographie, d'écoulement des eaux, de diversité biologique sur le territoire. Puis ça, ça va mieux s'intégrer avec les caractéristiques géographiques et environnementales du territoire de Saint-Colombin, qui sont, faut le dire, assez particulières à cause de la présence d'eau, de granit, puis d'obstacles géographiques. On a des pentes abruptes, puis ça, faut en prendre conscience. On peut pas... Anciennement, on passait au travers de l'obstacle, puis on faisait comme s'il n'existait pas. Là, on ne veut plus ce genre d'orientation.